Bonjour, Philippe Baudry, moniteur de voile au centre nautique de la Grande Motte. Qu'est-ce que le stand-up paddle? Le stand-up, c'est une activité donc assez récente, hein, qu'on commence à trouver sur nos côtes, et même, je pense, à l'intérieur des terres, sur des lacs. Il y a différentes pratiques. Il y a la pratique sans vague, qui va être beaucoup plus pour de la balade, éventuellement même travailler le physique, faire du fitness. C'est une planche, comme une grande planche de surf, sur laquelle on tient debout, même sans vitesse. Le déplacement se fait à l'aide d'une rame, et on peut se balader comme ça. On a maintenant la pratique plutôt surf, donc le côté plutôt joueur, avec les éléments, avec les vagues. Ça peut être le même type de planche, donc on peut avoir une planche qui peut faire les deux activités, soit balade, soit surf. Mais si on veut rentrer dans quelque chose de plus technique, on peut avoir une planche bien spécifique, une planche de paddle bien spécifique pour le surf, qui sera bon plus courte. Mais sinon, ça reste le même principe. On part, on est debout et on se déplace, on se lance, on donne de la vitesse avec notre rame. Et il faut noter que le stand-up, hein, fait partie de la Fédération française de surf et non de la Fédération française de voile. Mais il y a quand même une dérogation, hein, qui a été accordée à toutes les écoles de voile pour pouvoir encadrer et enseigner la pratique du stand-up, mais sur de l'eau plate. C'est donc intéressant pour nous, écoles de voile. Donc nous sommes affiliés à la Fédération française de voile. C'est intéressant parce qu'on peut utiliser ce type d'engin pour faire du renforcement musculaire, par exemple, pour nos équipes de compétition, ou simplement, pendant nos stages, prendre des planches et aller se balader, notamment comme ce matin, on peut voir que le vent est faible, voire quasi nul, et faire de la planche à voile est vraiment difficile. Avoir une activité stand-up permet d'initier nos stagiaires venus faire de la voile sur une activité nouvelle. Comme vous avez un large choix au niveau des planches, ça en fait une discipline très ludique et surtout accessible à tout le monde, et on se fait plaisir très rapidement. Voilà, 10 minutes, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous savez vous servir de l'engin et vous êtes autonome, vous savez partir et revenir.